Je m'appelle Desmond Miles. Je suis un prisonnier de guerre. J'ignorais tout de ce conflit. Et je ne soupçonnais même pas l'existence des deux camps qui s'affrontent. Les Templiers et les Assassins. L'Animus m'a montré la vérité. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai été. Ce sont pratiquement 1000 ans d'histoire qui coulent dans mes veines. Et qui ressurgissent grâce à cette machine. Ils font tout ça pour retrouver un objet. Cet objet, c'est une pomme. Une relique. L'un des nombreux fragments d'Éden, comme ils les appellent. Les Templiers les collectionnent. C'est ce qui leur donne leur pouvoir. Et si les Templiers en récupèrent une autre, plus rien ne sera comme avant. Ils veulent faire de nous leurs esclaves. Quand je suis arrivé ici, j'avais peur de ce qui se passerait si je résistais. Maintenant, j'ai peur de ce qui se passera si je ne fais rien. Si j'étais seul, ce combat serait perdu d'avance. Mais je ne le suis pas. J'ai rencontré une fille. Elle s'appelle Lucie. Je crois qu'elle est de mon côté. Mais elle n'est plus ici. Ce salaud de Warren Vidic et ses maîtres templiers l'ont emmenée ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils vont lui faire. Je ne sais pas non plus ce que je vais devenir. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je dois me tirer d'ici. Et le plus tôt possible. Je m'appelle Desmond Miles. Et ceci est mon histoire. Il faut partir. Lucie, où t'étais passée? Pourquoi ils t'ont... Maintenant. Vas-y. C'est quoi ce sang? Est-ce que tu vas bien? Écoute, au mieux nous avons 10 minutes. Pas plus. Avant qu'ils ne comprennent ce que j'ai fait. Et quand ils comprendront, nous sommes déjà loin. Attends, on s'en va? Desmond, je te promets de répondre à toutes tes questions. Plus tard. Pour le moment, tais-toi et fais exactement ce que je te demande. S'il te plaît, entre dans l'Animus. Bon, très bien. Oh, ma chérie, pardonne-moi, j'étais à la banque quand on me l'a dit. J'espère que je n'arrive pas trop tard. Donnez-le-moi. Giovanni... Chut, mon amour. Tout va bien se passer. Tu es un auditore. Tu es un combattant, alors. Mon fils... Bats-toi. Écoutez-moi ça. En voilà de beaux poumons. Comment allons-nous l'appeler, mon amour? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Debout. On s'en va. Ouais, ben, donne-moi une minute. Le temps presse, Desmond. Il faut partir. On va vraiment se tirer d'ici, alors? Ils ont vraiment un grain, leurs architectes d'intérieur. Viens, suis-moi. Hey, vous n'avez pas le droit d'être ici! Ouvrez cette porte! Je vais donner l'alerte.
Intrus repéré dans le département recherche. Je répète, intrus repéré dans le département recherche. Viens, Desmond. Personnel de sécurité. Ça, ça. Les voilà. Ils doivent pas s'échapper. Mais t'es dingue. Regarde-moi cet endroit. Parle-moi des caméras. Je les ai programmées pour diffuser des images en boucle. D'après toi, pourquoi personne n'a jamais rien su des escapades nocturnes? Pas bête. Ouais, j'essaie. Desmond, il nous cherche. Il faut pas traîner ici. Attention. Il faut atteindre cet ascenseur de l'autre côté de la pièce. Suis-moi. Mais préviens-moi si la sécurité arrive. Je préfère éviter l'affrontement. C'est ça, l'animus ? Ne t'éloigne pas. Hé, hey, mais... il y en a combien, au juste ? Ne t'éloigne pas. Au pluriel, on dit des animis ou des animaux ? Toi, tu dirais quoi, Lucie ? Lucie ? Ils ont vraiment besoin de tout ça ? Desmond, pour une fois, tu veux bien la fermer ? S'il te plaît. Quoi ? Ce passe devrait fonctionner. L'ascenseur n'est pas relié au système et j'ai pas de code. Attends. Comment t'as fait ça ? Je n'en sais vraiment rien. Allons-y. Il manquait plus que ça. C'était qui dans l'animus ? Le sujet 16 ? Ezio Audi... Audi machin ? On fait fausse route depuis le début. C'est pour cette raison qu'on doit partir. Vidic et les Templiers ne sont qu'une partie du problème. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu verras quand on y sera. Mais où ça ? C'est pour ta sécurité. Tu parles. Ce sera pas long. Merci, j'ai adoré. Les boss, les secousses, super. Tu viens ? Bon, tu vas me dire ce qui se passe maintenant ? On s'est enfui pour une bonne raison, Desmond. Vraiment ? Tu dois nous aider. Quoi ? Encore une chasse au trésor dans le temps ? Abstergo va mettre la main sur une autre pomme d'Éden. C'est ce qu'indique la carte que ton ancêtre a trouvée. Les autres assassins feront ce qu'ils pourront là où ils pourront, mais... Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Les Templiers sont en train de gagner cette guerre, Desmond. Ils sont trop puissants. Nous perdons des agents tous les jours.
Je ne vois pas bien comment je peux vous aider. Nous allons te former. Tu vas devenir l'un des nôtres. Quoi ? Non. Non, tu m'as vu en action. C'est pas mon truc. Et même si ça l'était, ça prendrait des mois. Peut-être même des années. Non. Pas avec l'animus. Pas avec l'effet de transfert. Mais je n'ai rien d'exceptionnel. C'est justement là ton meilleur atout. Alors c'est pour ça que tu l'as retrouvé. Mon ancêtre. C'est quoi son nom déjà ? Ezio ? Si tu peux marcher sur ses traces, tu apprendras tout ce que lui-même avait appris. Il te faudra seulement quelques jours pour assimiler plusieurs années d'entraînement. Tu m'as aidé à m'évader et conduit jusqu'ici pour faire de moi un assassin ? Il y a autre chose que tu dois savoir, mais ça attendra. Et confiance, d'accord ? Je suis avec toi, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire ? Vraiment ? Tu es sûr ? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. C'est que je suis un peu surprise. Pendant notre cavale, j'ai pas arrêté de me demander comment j'allais m'y prendre pour te convaincre. Tu sais, après tout ce que ces foutus templiers m'ont fait subir, je suis motivé et je suis prêt à tout. Merci. Lucie ! Tu as réussi. Eh ben, ça faisait un bail. 7 ans, waouh, tu te rends compte ? Déjà ? Ça passe vite. Ah, et voilà le fameux sujet 17, je suppose. Desmond Miles, c'est ça ? Vous êtes ? J'en oublie les bonnes manières, je suis Sean Hastings. Voici Rebecca Crane. Enchantée, Desmond. J'aurais aimé bavarder, mais si ça ne te fait rien, Desmond, on devrait se mettre au travail. Le temps est précieux, surtout en ce moment. Tout est prêt et opérationnel, Lucie. On peut commencer quand tu veux. Tiens, je t'ai rapporté ça. C'est un cadeau de départ d'Abstergo. Waouh ! La mémoire centrale ! Alors là, t'as fait très fort. Grâce à ces données, on va pouvoir gagner un temps fou. Il faudra juste que je fusionne les bases. Hé, Desmond, ça va ? Je me demandais, en quoi consiste ton travail ? Je prends soin du bébé. Je m'occupe de la maintenance, si tu préfères. Le bébé ? Tu veux dire l'animus ? En fait, je préfère parler d'animus 2.0. Notre bébé est 2 fois plus performant que n'importe quelle machine d'Abstergo. Les Templiers ont plus de moyens que nous, c'est évident, mais ils manquent d'ambition, de passion, de motivation. Résultat, ce qu'ils mettent au point est dépassé. Tout ce qu'ils font, je le fais beaucoup mieux. Et plus vite. Très bien. Installe-toi quand tu seras prêt, on va bientôt commencer. J'ai encore quelques réglages à peaufiner, ce sera pas long. À quoi ça sert, ce truc ? Ce truc, Desmond, c'est absolument sans importance, vraiment. Non, en fait, ça sert uniquement à faire en sorte que toute cette opération se déroule comme prévu. Et pour ça, il faut un minimum de concentration. Alors tu peux comprendre que je n'ai pas le temps de papoter avec toi. Sean s'occupe de mettre à jour notre base de connaissances, une sorte d'archive numérique. Il m'assistera chaque fois que tu seras dans l'animus. Quand tu tomberas sur un détail important, personnalité, lieu, événement, peu importe, il créera une entrée dans la base que tu pourras consulter pour plus d'informations. Oui, enfin mon travail ne se limite pas à cette base. J'assure également un soutien tactique aux autres assassins. Tu sais, Desmond, ceux qui sont sur le terrain, qui se rendent utiles, qui risquent leur vie, enfin, tu vois. Hé, Lucie, je tenais à te remercier. Et à m'excuser. T'excuser ? Ouais, tu sais, chez Abstergo, en fait, je n'étais pas prêt. C'est rien. C'est faux. J'arrête pas d'y penser. La présence de ces Templiers, tout ce qu'ils préparent. Ce qui est fait est fait. T'es là maintenant. C'est tout ce qui compte.